Shalom, heureux de vous retrouver pour ce nouveau shiur sur le Rahaim HaKadosh. C'est un shiur qui est à la fois sur la paracha, mais en vérité c'est un shiur qui va, comme vous allez le voir, qui est un shiur plus sur la tendance de service divin du Rahaim, d'après les idées du Rahaim réparties dans plusieurs endroits de la Torah que Bezrat Hashem on va essayer de voir ensemble, de récapituler afin que vous sortiez de là Bezrat Hashem avec une optique de vie un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Et je me suis inspiré premièrement de la parashat Shoftim dans le chapitre numéro 19, versets numéro 8 et 9. Je vais vous lire les versets de la Torah, et par la suite, je vais vous donner les explications du Roi Chaim sur ces versets. La Torah nous dit comme ça, au sujet des Iramiklat, si vous souvenez le sujet, là-bas ça parle de si quelqu'un a tué par inadvertance, par exemple il était dans la forêt, il a coupé du bois, et puis comme sa hache, elle a volé, et elle a tué quelqu'un, alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les Iramiklat. Ça veut dire, Iramiklat, ce sont les villes de refuge. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est tué par inadvertance, il ne peut pas continuer à vivre dans la société parce que celui qui est le proche qui veut venger celui qui a été tué, alors celui qui le trouve dans la rue, il a le droit de le tuer d'après la Torah. Donc la Torah a trouvé une solution à ça, nous a donné une solution à laquelle c'est de mettre à disposition de ces gens qui ont tué par inadvertance, c'est pas des tueurs, c'est pas des mauvaises personnes. Mais il fallait quand même les épargner de la vengeance de la famille. Donc Dieu leur a donné trois villes, ce qu'on appelle les Iramiklat. Iramiklat, ce sont des villes de refuge. Alors il dit, la Torah nous dit qu'à l'époque, il y avait trois villes de refuge dans la frontière d'Eretz Israël et trois villes en dehors de la frontière d'Eretz Israël. La Torah nous dit comme ça. Et si l'Éternel, ton Dieu, va élargir tes frontières, comme il l'a promis à tes pères, et il va te donner toute la terre, comme il a dit de le faire, comme il a promis de le faire à nos pères, Abraham, Isaac et Yaakov, la Torah vient nous dire ici que lorsque Dieu va élargir tes frontières, de quoi ça parle? Ça parle dans les temps futurs, à l'époque du Mashiach, à l'époque du Messie, lorsque le Goël va venir, le délivreur va venir, alors Dieu a promis à Abraham Avinu de lui donner les sept peuples qui sont en Eretz Kenaan, Achiti, Ahemori, Achivi, Ayevosi, Ayevoshi, Ayegirgashi, Akenaani, sept peuples qui vont en Eretz Israël. Ça, ce sont les peuples que Yoshua a conquéris afin de conquérir Eretz Israël. Mais il y a encore trois peuples, Akeni, Aknizi et Akadmoni, qui sont en dehors d'Eretz Israël. Ce sont Amon, Moab et Amalek. Moi, c'est une des versions. Ce sont les trois peuples, c'est Edom. C'est Edom. Amon, Moab et Edom. Le trois peuples qui sont de l'autre côté de la frontière d'Eretz Israël. Alors, lorsque le Mashiach va venir, alors comme Dieu a promis à Abraham Avinu, il va nous donner les 10 peuples, les 7 peuples on les a reçus à l'époque de Yoshua, et les 3 autres peuples qui sont Amon, Moab et Edom, qui sont de l'autre côté de la frontière du Jourdain. Alors cela, c'est la promesse de Dieu à Abraham Avinu qu'il nous donnera seulement que lorsque le Mashiach va venir, ces 3 nations vont s'annuler devant la grandeur du Ham Israël, lorsque la gloire du Ham Israël va se dévoiler. Alors nous dit la Torah, lorsque l'Éternel ton Dieu va écarter tes frontières, ça veut dire il va te donner les 3 autres peuples, comme il l'a promis à Abraham Avinu. Alors, comme la promesse des pères, alors nous dit la Torah, quand est-ce que tu vas avoir cette promesse? Tu sais quand est-ce que cette promesse va se réaliser? Lorsque tu vas garder toute la mitzvah que je t'ai ordonné de faire.
Le passou continue nous dit que je t'ai ordonné aujourd'hui les Ahava et Hashem Elokecha, d'aimer l'Éternel ton Dieu, velalechet bidrachav, et d'aller dans ses chemins tous les jours, viyasavta lecha od shalosh arim al shalosh ha'ele. Et à ce moment-là, Dieu nous rajoutera encore trois autres villes de refuge qui sont de l'autre côté du Jourdain, puisque maintenant Dieu nous a donné non seulement Eretz Kenaan, mais il nous a donné les trois autres peuples qui sont de l'autre côté, ça veut dire Ammon, Moab et Edom. Donc la Torah nous parle ici, quand est-ce que la frontière d'Eretz Israël va s'agrandir? C'est lorsque la Géoula viendra, à l'époque de la délivrance. Et la Torah nous dit comme ça, comme Dieu il a promis à Abraham, à Avinu, les trois autres peuples, à part les sept peuples qui sont en Eretz Kenaan, il y a encore trois autres peuples que l'on va conquérir plus tard. Alors à ce moment-là, on va hériter d'Eretz Israël d'un côté, mais en vérité, de l'autre côté du Jourdain, les trois autres peuples qui se trouvent là-bas, là-bas aussi, ça va nous appartenir. C'est-à-dire que ça va nous appartenir, c'est la promesse d'Abraham Avinu, que toutes les nations, les sept de Canaan et les trois autres Canaan, vont s'annuler à la grandeur, à la gloire du Ham Israël. Ça, c'est le verset tel qu'il est marqué. Alors, le Rahaim HaKadosh nous dit de là, on apprend quelque chose. Quand est-ce que Dieu il va donner les trois autres peuples, comme on nous a dit à l'époque de la Géoula? Il nous dit, le Rahaim HaKadosh, lorsque vous allez garder les mitzvot, et lorsque vous allez les faire par amour pour Dieu et pas pour crainte. Voilà, c'est la phrase clé du Rahaim. Et continue le Rahaim, nous dit, cette génération-là, qui va se tenir dans cette conception de vie, de servir Hachem par amour, et non pas pour crainte, alors, Dieu nous donnera les dix peuples qu'il a promis à Abraham Avinu. Et Dieu va donner au Bné Israël tout le bien qu'il a promis de faire à Noavot, Abraham, Israël et Yaakov, après Triat Ametim. Fini, le Rahaim nous dit comme ça. D'ailleurs, nos maîtres de mémoire bénie, dans la Gemara Sanhedrin numéro 99, deuxième Amoud Bet, nous dit cette phrase, écoutez bien. Ils nous ont dit, les Hachamim, dans la Gemara Sanhedrin, que la Geoula, la délivrance qui doit venir, Bezrat Hashem, que l'on attend tous, dépend de la Avodat Hashem et à Ahava. Lorsque le Ham Israël va servir Dieu par amour. Voilà, ça c'est la phrase du Rahaim HaKadosh. Ça c'est l'idée principale du Rahaim HaKadosh. Ça veut dire que la délivrance que l'on attend tous, aujourd'hui, dépend de la manière des Bnei Israël de servir Hachem. En effet, il y a deux manières de servir Dieu, on va rentrer dans les détails tout de suite après cela. Il y a la manière de craindre Dieu, de faire les mitzvot parce qu'on le craint, on ne veut pas faire quelque chose qui soit à l'encontre de Dieu parce que on a peur de la punition, on a peur, chas v'shalom, de transgresser Shabbat parce que Dieu préserve, chayav mita. Quelqu'un il a peur de faire une avera parce qu'il faut payer, une avera ça se paye. Ça veut dire que la personne a la conscience qu'il y a des salaires quand on fait des mitzvot, mais il y a aussi des punitions lorsqu'on ne les fait pas. Rahaim HaKadosh vient nous dire ici que la délivrance du Ham Israël à venir dépend d'une chose. Si les Bnei Israël vont servir Hachem, pas pour crainte de Dieu, et là par amour pour Dieu. Ça c'est l'idée principale du Rahaim HaKadosh. Ça veut dire, et en vérité si on voit bien dans le Passouk, c'est ce qu'il nous dit le Passouk, Léa-Ava, afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que servir Dieu, on peut le faire de deux manières, ou parce qu'on le craint, on a peur de lui, ou bien parce qu'on aime Hachem, parce qu'on aime Dieu. Lorsqu'on aime Hachem, même si on ne le craint pas, même si on n'a pas peur de punition, mais on n'a pas envie de faire quelque chose qui va à l'encontre de lui, par amour pour lui. Quelqu'un, il fait Shabbat pas parce qu'il a peur de se faire punir, parce qu'il aime Shabbat, parce qu'il a compris la grandeur de Shabbat, parce qu'il a compris qu'est-ce que Dieu le Shabbat lui amène. Tfilin, la même chose. La prière, c'est la même chose. On en a parlé plusieurs fois dans les shiurim précédents. Mais cette fois-là, le Rahaim va un peu plus loin.
nous dit que la délivrance du Ham Israël, la délivrance du Ham Israël dépend de notre service divin si on le fait par amour pour lui. Comme ça nous dit Or HaHaim HaKadosh. Ainsi, je vais vous lire avec vous maintenant un autre texte du Or HaHaim HaKadosh dans la parachat de Yitro. Vous connaissez la parachat de Yitro? Que la parachat de Yitro là-bas, c'est la parachat qui parle du don de la Torah. Du don du Matan Torah. Là-bas, lorsque les Israël sont arrivés devant le Har Sinaï, alors, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, et Dieu a appelé Moshe Rabbeinu et il lui a dit, comme ça tu vas parler au Bet Yaakov et comme ça tu vas dire au Bné Israël. Ça veut dire il y a Bet Yaakov et il y a Bet Israël. L'explication simple de ce verset va nous dire simplement qu'il y a deux manières de parler avec les gens. Avec le Bet Yaakov, ce sont des femmes et les jeunes filles. Alors il faut parler avec elles, Belashon Raka. Il faut leur donner l'envie de servir Hachem, mais sans leur dire des paroles dures. Par contre, lorsque tu vas parler au Bnei Israël, tu vas parler d'une manière dure. Et il demande au Haïm HaKadosh, il faut voir là-bas, vous voyez l'explication dans le paragraphe numéro 19, dans la paracha de Yitro, dans le Chumash Shemot, et le verset numéro 3. Je vous laisse le découvrir tout seul. Moi, ce que je me suis arrêté, c'est une idée du Raphaël Makadosh qui va nous faire comprendre beaucoup de choses dans la Torah du Raphaël. Dans ce verset, le Raphaël Makadosh nous dit « Kotomar lebet Yaakov, betaged ibn Israël » De quoi ça parle ici? Nous dit le Raphaël Makadosh comme cela. Avant de commencer l'explication, nous dit le Raphaël Makadosh, je vais vous donner une petite introduction. En ce qui concerne le service divin dans la Torah. Et il dit comme ça le Rahim. Le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, son envie et les midot de Dieu sont de faire du bien, d'être bon avec sa créature. Et plus l'envie de celui qui veut recevoir est grande, et en vérité, l'envie de celui qui va donner, c'est Akadosh Baruch Hu, elle est encore plus grande. Ça veut dire que Dieu veut nous faire du bien encore plus que ce que nous on en a envie. Dieu peut nous faire du bien beaucoup plus que ce que Dieu a envie, beaucoup plus que ce que nous on pense. Ça veut dire, nous on pense demander à Dieu qu'on a besoin de ça et ça et ça, mais en vérité, Dieu veut nous faire encore beaucoup plus que ça. Il veut nous donner encore plus que ça. Ainsi, le Rahaïm Akadosh nous dit comme ça. Au sujet du salaire de celui qui sert Hachem. Alors nous, on veut servir Hachem pour le salaire qu'on va recevoir derrière. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça. Vous savez, moi je veux vous donner un salaire qui est beaucoup plus grand que ce que vous pensez vous. D'où est-ce qu'on le voit? Il y a deux versets dans la Torah. Il y a un verset qui dit, ce verset il se trouve dans le Chumash Devarim, au Perek, au chapitre numéro 7, verset numéro 9. Là-bas le Passouk nous dit, « Et je ferai du bien les élèves d'or. Je te récompenserai pour ce que tu as fait comme bien dans ce monde-là, pour 1000 générations. » Ça veut dire que quelqu'un s'est comporté comme il faut dans ce monde-là, alors son mérite va l'accompagner pour 1000 générations. Ça veut dire, imaginez, de génération en génération, pour 1000 générations. Dans un autre endroit, la Torah nous dit, dans le verset numéro, dans le Perek, le paragraphe numéro 5, verset numéro 10, là-bas, la Torah nous dit, je vais vous donner un salaire là à la fin pour des milliers de générations. Ça veut dire, le salaire de celui qui aura servi Hachem est pour plus que 1000 générations, et pour des milliers de générations, ça veut dire au minimum pour 2000 générations. Donc nous dire Rahaïm HaKadosh, donc de là apparemment, et d'Agmara c'est l'Agmara Sota, ça veut dire qu'il y a dans le service de Dieu,
Il y en a un qui va être récompensé pour 1000 générations, et il y en a un autre qui va être récompensé pour 2000 générations, au minimum. La Gemara dans le Gemara Sota, le traité Sota numéro 31, première face, Amoud Aleph. Regardez la Gemara, elle dit. Quelle différence entre celui qui sert Hachem par amour ou celui qui le sert Hachem pour la crainte de Dieu? Très simple. Celui qui sert Hachem par amour pour lui, il va être récompensé sur au moins 2000 générations. Celui qui va servir Hachem par crainte de Dieu, lui sera récompensé sûrement sur 1000 générations uniquement. Donc on voit que la récompense de celui qui sert Dieu par amour est beaucoup plus grand que celui qui le sert pour crainte. Par la suite, on va expliquer quelle différence entre l'amour et la crainte. On va y arriver, Bezrat Hashem. Si Dieu nous donne l'aide de Dieu dans ce qu'on va faire, j'espère vous insérer sortir de ce chiot avec une idée bien comprise, bien globale de l'idée du Rahaim entre l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Alors, d'après ces deux choses-là, nous dit le Rahaim Akadosh, Dieu aime tellement son peuple qu'il a envie de nous donner un salaire, il a envie de nous récompenser, et une récompense beaucoup plus grande. Ça veut dire, il veut nous récompenser, il veut qu'on serve Dieu par amour. Ça, c'est la volonté de Dieu dans ce monde-là. Dieu, il veut qu'on le serve par amour. Ainsi, lorsqu'on sert Hachem par amour, on est récompensé de 2000 générations. Par contre, celui qui sert Hachem par la crainte, que 1000 générations. Alors, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, je suis très makpid, ça veut dire je veux que tu fasses très attention. Lorsque tu vas parler aux Bnei Israël, tu vas leur dire, tu vas les réveiller à venir faire la Torah et les mitzvot, je veux que tu leur donnes aussi bien l'amour de Dieu, mais la crainte de Dieu. Il faut les deux, comme c'est mis de l'Orahaïm Akadosh. Mais je veux qu'ils aient plus l'amour que la crainte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se fait par amour, on est récompensé pour 2000 générations, au moins. Par contre, si c'est par crainte, 1000 générations uniquement. Et comme Dieu, il est bon et il veut nous faire du bien, alors il veut qu'on le serve que par amour uniquement. Alors il dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu vas donner la Torah à Bnei Israël, lorsque tu vas leur dire, tu vas leur parler pour leur donner l'amour de Dieu, pèse tes paroles. Pèse tes paroles. Parce que si tu leur donnes l'amour de Dieu, mais en vérité tu vas aussi leur donner la crainte de Dieu, tu risques d'arriver à un problème. Si tu, par exemple, il y a beaucoup de rabbanim lorsqu'ils parlent, alors ils font par la peur. Oh là là! Si on va donner des comptes à Dieu à 120 ans, il faut faire tshuva, parce que si tu ne fais pas tshuva, que tu préserves, celui qui est Mechalel Shabbat, il n'a pas le Guéhinom, il n'a pas le Gan Eden, et celui qui ne fait pas la tefila de Kavana, alors Dieu n'écoute pas sa prière. C'est une manière de parler. Et c'est vrai. Il n'y a rien de faux. C'est vrai qu'il y a le Guéhinom, c'est vrai qu'il y a le Gan Eden, il y a les deux. Mais Dieu, il attend de nous, il veut de nous qu'on l'aime. Il attend qu'on le serve par amour. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on fasse la Torah parce qu'on a peur de lui. Pourquoi? Parce que le salaire, il est petit. Il veut qu'on ait un grand salaire. Il veut qu'on ait l'amour de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu vas dire à quelqu'un de faire Shabbat, tu ne vas pas commencer à lui parler en lui disant « Attention, pas faire Shabbat, oh, il va voir le Chas V'Shalom, c'est très grave de faire Shabbat. Tu n'auras pas la bracha dans ce que tu fais dans la semaine, et tu seras puni, tu vas avoir un accident, que Dieu préserve. » Il y a des gens qui parlent comme ça. Et même si c'est vrai, alors on nous dit à Kadosh Baruch Hu, mon cher Rabbeinu, attention comment tu vas parler au Bnei Israël. Tu vas leur enseigner les deux chemins qu'il y a, la crainte et l'amour. Mais je veux que l'amour de Dieu soit beaucoup plus grand chez les Bnei Israël que la crainte de Dieu. Ça veut dire Dieu, il attend de nous l'amour de Dieu, pas la crainte. Seulement, il faut les deux. Pourquoi? On dit au Rahaim Akadosh, si tu enseignes la crainte de Dieu à quelqu'un, l'amour de Dieu uniquement, alors la personne peut arriver à trébucher dans la Torah. Pourquoi? Parce que la personne va commencer à dire,
Bon, c'est pas grave si je fais une avéra, Dieu il est grand, Dieu il m'aime, mais moi je vais faire tu vois après. La personne elle se familiarise, comme on a dit plusieurs fois dans un chiot précédent. Par exemple, quelqu'un qui se trouve dans la maison d'un grand sadique. Alors, du fait que la personne elle se trouve avec lui toute la journée, donc elle va se permettre des familiarités avec lui. Et ensuite, il y aura plus la distance qu'il faut, il y aura plus la crainte. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours enseigner au Bnei Israël l'amour de Dieu, et on doit aussi enseigner la crainte de Dieu. Mais le résultat, la fin de tout, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un il fait Shabbat parce qu'il aime Hachem, parce qu'il aime le Shabbat, parce qu'il aime, il aime Dieu, il veut mettre les tefillines pour s'attacher à lui. Quelqu'un il veut pas faire une avéra parce qu'il veut pas s'écarter d'Hachem. Il veut pas cet écart avec lui, il veut se sentir proche de lui. Il veut sentir que la mitzvah me rapproche de toi, Hachem Yitbarach. Je peux pas sans toi, je peux pas me passer de Dieu. Par contre, si quelqu'un met les tefillines parce que bon, si je ne les mets pas, j'aurai pas la bracha aujourd'hui, je ne vais pas réussir dans ce que je vais faire. Je vais parler. Celui-là, c'est un petit salaire qu'il va recevoir, parce qu'il va avoir un salaire, c'est sûr. Ça, c'est la différence entre la crainte et l'amour. Comme ça nous dit le Roi Haïm HaKadosh. Maintenant, si on a bien compris ces deux choses-là, donc Dieu est beaucoup plus miséricorde. Dieu est beaucoup plus miséricorde avec le Ham Israël que ce qui n'est un Dieu de peur. Dieu ne veut pas un Dieu qui fasse peur aux gens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il faut qu'il y ait toujours la crainte. Mais l'amour plus que n'importe quoi. Donc déjà, on commence à comprendre un peu les paroles du Roi Haïm HaKadosh qu'on a vu dans la Parashat Shoftim. Dieu veut qu'on l'aime. Il ne veut pas qu'on le craigne. Mais il faut aussi la crainte afin qu'on ne trébuche pas dans des averot. Afin qu'on ait toujours, on sache se tenir avec Hashem Yitbarach. Comme quand on est proche d'un tzaddik, c'est vrai que c'est bien d'être familiarité. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on soit gentil, il veut qu'on soit agréable, qu'on l'aime simplement. Mais si on ne fait que l'aimer, alors on risque de faire des choses qui ne font pas bien. Donc toute la Torah, c'est un équilibre entre l'amour de Dieu d'un côté et la crainte de Dieu d'un côté. Dans la Parashat Shoftim, Rahaim HaKadosh nous dit, mais il faut quand même savoir que la Geoula, la délivrance du Ham Israël, le Mashiach viendra lorsque les Bnei Israël vont servir Hachem que par amour. Ça, c'est la volonté de Dieu d'après le Rahaim HaKadosh. Comme ça nous enseigne Rabbi Haïm Ben Attar. Donc, d'après cela maintenant, ça va m'entraîner maintenant à essayer de comprendre quelle différence dans la vie entre un homme qui va servir Dieu par amour ou quelqu'un qui va servir par crainte. Pour vous faire comprendre cette chose-là, je vais vous amener dans la paracha Kitissa, chapitre numéro 34, verset numéro 6, 7, 8, 9. Regardez bien le Rahaim là-bas. Là-bas, ça parle après la faute du Vaudor. Et donc, il y a eu tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Moshe Rabbeinu a demandé que Dieu pardonne aux Bnei Israël pour ce qu'ils ont fait. Et Dieu a pardonné. C'est l'article qui devait être. Dieu a pardonné à Moshe Rabbeinu. Ensuite, Moshe Rabbeinu vient à Kadosh Baruch Hu et demande. Puisque Moshe Rabbeinu a vu que Dieu a agréé sa prière. Alors Moshe Rabbeinu a demandé un peu plus que ça. Il a demandé, montre-moi ton visage. C'est quoi, montre-moi ton visage, Chas v'Shalom? Dieu, il n'a pas voulu voir Dieu. Dieu n'a pas de visage, c'est évident. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu a voulu comprendre. Il veut comprendre les chemins de Dieu. Sans aucune chose qui cache. Ça veut dire, il veut connaître les chemins de Dieu total. Quelle est la ma'out? Quelle est la valeur? Qu'est-ce que Dieu a plus comme valeur dans ce monde-là? Alors Dieu, il a dit, mon visage, je ne pourrai pas te montrer, mais je vais mettre ma main sur ton visage, et je vais passer, et je vais te montrer, selon ce qui est le côté caché de Dieu. Parce que mon côté dévoilé, personne ne peut le voir. Et ainsi, Akadosh Baruch Hu se dévoile, il dit, à ce moment-là, Dieu, il est passé
devant Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est bien d'étudier ça maintenant, puisqu'on est au Chodesh Elul, et tous les jours, avec les Slichot, on parle des mitot, des 13 mitot de Rahamim de Dieu. Et tous les jours, et par ces 13 mitot, on est répondu, il y a marqué comme ça. Jamais une prière sur laquelle on a fait 13 mitot de Rahamim ne reviendra irrépondue, ne reviendra pas répondue. Ça n'existe pas. Si on dévoile les midot de Dieu, alors on est obligé d'être répondu. C'est quoi les midot de Dieu, dit la Torah? Va y avoir Hashem al panav vaikra Adonai el erech hapaim el rachou vehanun erech hapaim veraf chesed vehemet notzer chesed la'alafim nose avon vafesha vechata'a venake. C'est quoi les 13 midot de Rahamim? D'abord Hashem El Rachum, Dieu il est miséricorde, Hanoun, Erech Apaim, il a la patience, Rav Chesed, il est plein de bonté, Ve'emet, Notzer Chesed à la fille, il donne de la bonté pour des milliers de générations, Notzer Avon, il pardonne le péché, et ainsi Loïnake, Ve'nake Loïnake, Poked Avon, Avon, Vani, Ve'choule, Ve'choule. Nous dit le Rachaim Akadosh, ou plutôt Rashi, ou plutôt la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, on voit qu'il y a marqué Hashem, El Rachum Vehanun. C'est quoi Hashem? C'est quoi Hashem, El Rachum Vehanun? Pourquoi il y a marqué deux fois Hashem? Hashem, El Rachum Vehanun, Dieu, il est miséricorde, il est bon, et il est Hanun, il est Rechapaim. Pourquoi il y a marqué deux fois Hashem? Dieu, il est miséricorde, et il est bon, et il pardonne le péché. Pourquoi c'est deux fois le mot Hashem. Alors il dit au Rahaim Akadosh, ou la Gemara, excusez-moi, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page numéro 17. Pourquoi il y a marqué Hashem? La Gemara nous dit comme ça. Il y a Dieu avant la faute, et il y a Dieu après la faute. Ça veut dire, nous dit la Gemara, ça veut dire, il est miséricorde, aussi bien avant la faute qu'après la faute. Alors le Rahaim HaKadosh, et en vérité c'est le Rosh qui demande, le Mfarshim demande cette question, si l'homme il n'a pas fauté, en quoi il a besoin de miséricorde? Vous comprenez? Ça veut dire, Dieu il est miséricorde. Il est miséricorde après la faute, c'est-à-dire Dieu il a fauté, un homme il a fauté, alors Dieu il est miséricorde avec lui. Ça veut dire il est prêt à lui pardonner. Dieu il n'est pas rancunier à ses chemins. Ça, c'est après la faute. Mais avant la faute, qu'est-ce que cet homme-là a fait? Cet homme-là n'a rien fait, donc pourquoi avoir peur de lui? Pourquoi il y a besoin de rachamim pour cet homme-là? Alors, il y en a qui expliquent en vérité, parce que Dieu, il sait que l'homme va fauter. Donc cet homme-là, du fait qu'il va fauter, Dieu, il est miséricorde sur lui, même s'il sait que par la suite, il va fauter dans un an, dans 10 ans. Impossible comme ça. Comme ça, il y en a qui sont farchim. Or, Rahaim HaKadosh, il réfute cette explication du Rosh. Et il donne son explication à lui. Écoutez comme c'est possible, ce Rahaim HaKadosh. Or, Rahaim HaKadosh nous dit, Dieu il est miséricorde, aussi bien avant la faute qu'après la faute. Ça veut dire, pour nous dire qu'avant la faute, cet homme-là, il n'a pas fauté. Il n'y a pas de problème, il n'a pas de faute. Mais, Nagit qui n'a pas fait beaucoup de mitzvot, il ne fait pas de mitzvot, il ne fait pas de haverot, mais il ne fait pas non plus de mitzvot. Il n'a pas de sruyot, il n'a pas de mérite. Alors il dit au Rahaim HaKadosh, Hashem avant la faute, c'est quoi? C'est pour te dire que Dieu est miséricorde sur l'homme, même s'il ne fait pas de mitzvot. Même s'il ne fait pas de haverot, mais il ne fait pas non plus de mitzvot. Et le deuxième Hachem, pour nous dire, si un homme, même s'il a fait des Averot, Dieu il est Rahaman. Donc avant la faute, c'est par exemple, il n'a pas de mérite. Deuxième explication du Rahaim, sur cela on va s'arrêter, que même si un homme il a fait des Averot, même si quelqu'un il a fait une Avera, c'est quelqu'un qui t'rive, le Rahaim dit. Il t'rive des ma'asav, c'est-à-dire il fait des choses abominables. Et il a transgressé des mitzvot négatives, il a fait des averot graves. Il a mangé du cochon, il a fait des choses, il a transgressé Shabbat, que Dieu préserve.
Or Haïm nous dit un chidouche gadol. Dieu va se comporter envers lui berahamim. Même un homme comme ça, tel qu'il est, Dieu ne se comporte pas avec lui d'après la rigueur. Dieu n'est pas un Dieu de rigueur. C'est un Dieu de rahamim. Ça veut dire, si un homme, on lui a décrété sur lui du bien, même s'il a fait des choses pas correctes, Dieu ne lui enlèvera pas le bien qui doit lui arriver. Ça, c'est Hachem avant la faute. C'est-à-dire, même un homme, il n'est pas correct, c'est un homme qui n'est pas comme il faut. Malgré ça, Dieu, il est plein de miséricorde sur lui. D'après ça, on a avancé encore plus maintenant. L'amour du Dieu qu'il a pour nous, il est tellement grand que même un juif qui a fauté, Dieu il est bon avec lui. C'est ce que le Rahaim nous dit dans cette phrase. Que même s'il t'rive le ma'asav, même s'il a fait une abomination, alors Dieu se comportera avec lui, berahamim, et ne lui enlèvera pas le bien qui a été décrété sur lui. Comme ça, Rahaim nous dit ici. Pelegadol. L'habitude des gens de comprendre, tu as fait une avera, donc tu vas recevoir ça. Tu as fait une mitzvah, tu vas recevoir ça. Or, Rahaim nous dit, même un homme qui a fait une avera, s'il lui doit du bien, si par exemple, par le sroud de ses pères, ou bien il a fait une mitzvah quelconque, qui lui donne maintenant ce mérite de recevoir du bien, même s'il a fauté, Dieu ne lui enlèvera pas ce bien qui lui revient. Ça, c'est la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les midot de Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que Dieu a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le Emet. Ça veut dire que Dieu aime tellement son peuple que même si on va à l'encontre de ce qu'il nous dit, Dieu nous aime quand même. Un homme est toujours aimé par Akadosh Baruch Hu. Plus que ça, nous dit Rabbi Nachman, dans une Torah d'écouter Moran, Lo ibit aven beYaakov. Dieu ne regarde pas le mal du Am Israël. Ce n'est pas l'habitude de Dieu de regarder le mal qu'un juif y fait. Sur quoi il regarde Akadosh Baruch Hu? Sur le bien qu'il fait uniquement. Ça, c'est ce que Dieu regarde un juif. Le mal, il ne le regarde pas. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre que même si quelqu'un y fait du mal, Dieu ne regarde pas. Il donne pour le bien qu'il a fait, c'est tout, Nekouda, il ne regarde pas pour le reste. Quand Moshe Rabbeinu, il a entendu ça, il a compris que c'est ça toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça l'amour que Dieu il a pour nous. Donc si c'est comme ça l'amour qu'il a pour nous, alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu dans le pasouk d'après, « Vayomer, imna matzatihen be'aynecha Adonai, yelechna Adonai bekirbeinu. » Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, alors il dit, Moshe, si j'ai trouvé grâce à des cieux, Hachem, Adonai, Adnut, Aleph, Dalet, Nun, Yul, Yelechna Adonai, Bekirbenu, que mon Dieu aille devant nous. De quel Dieu il parle là-bas, le Moshe Rabbeinu? Regardez dans le pasouk, Adnut. Adnut, c'est un Hachem de Din. C'est un Dieu de rigueur. Alors, Rahaï ne comprend pas très bien. Il dit, attends, non, je ne comprends pas très bien quelque chose. À Dieu, il t'a dit que c'est un Dieu de miséricorde. C'est-à-dire, Dieu, il est bon avec nous. Dieu, il n'est que bon avec nous. Alors, qu'est-ce que maintenant, ce Rabbeinu, il demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, si tu m'aimes, si je te réveille grâce à tes yeux, alors je demande que le Dieu de rigueur nous accompagne. Pourquoi demander la rigueur? Pourquoi demander la rigueur alors que Dieu est Rahamim? Ah, regardez ce qu'il dit, Rahaim Akadosh. Alors il dit au Rahaim Akadosh dans le texte là-bas, hein, sur le verset 9, il dit lorsque Moshe Rabbeinu a compris les midot de Dieu, et il a compris tellement l'amour de Dieu pour nous est grand, alors il a compris une chose, que si Dieu se comporte avec l'homme Israël, rien qu'avec la Rahamim, sans aucune rigueur, alors il dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, les Bnei Israël ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas. Parce que l'Am Israël, c'est un peuple dur. Dans le sens, c'est un peuple qui peut fauter très facilement. C'est pour ça que je te demande que bien que tu nous aimes à ce point, mais quand même, que tu accompagnes toujours notre vie avec un Dieu de rigueur.
que tu aies toujours en face de nous le côté rigoureux. Ça veut dire montre toujours ce visage rigoureux. Comme un père, on va prendre un exemple très simple. Un père doit toujours garder son kavod envers ses enfants. Ça veut dire, un père ne peut pas commencer à parler avec ses enfants ou s'amuser avec ses enfants comme un ami. Parce qu'après, les enfants, ils n'ont pas l'esprit de comprendre que le père, il fait ça pour s'approcher d'eux afin qu'il y ait un kécher avec eux. Et bien, mettre le père, il aime ses enfants, même si l'enfant, il ne se comporte pas bien. Le père, il va cacher le mal de son fils. Pourquoi ? Parce que c'est son fils, il ne veut pas du mal. Seulement, malgré ça, on voit qu'il y a une mitzvah de craindre son père. Ça veut dire que le père doit se comporter de telle sorte à ce qu'il ait l'amour du père. Ça veut dire qu'on doit être amis. Le père et son fils doivent être mamache comme des amis. Mais des fois, le père doit montrer un côté rigoureux. Ça veut dire des fois, il faut montrer à l'enfant. Et il ne faut pas exagérer non plus. Tu ne peux pas te comporter comme ça avec moi. C'est l'oeil après. C'est pas, pourquoi ? Parce que quand on est trop amis, la familiarité nous amène à des familiarités, comme on dit chez nous. Et après, le fils n'aura du mal à garder ses distances avec son père, donc à le respecter comme il se doit. Ça, c'est les idées principales du roi Chaim que je voulais vous faire passer. Maintenant, de tout ce qu'on a parlé maintenant, alors on doit en tirer de là des conseils pour la vie. On doit en tirer de là des conseils pour la vie. Et particulièrement, d'après ce qu'il a dit le roi Chaim HaKadosh, le Mashiach viendra lorsqu'on servira Dieu par amour. Donc maintenant, l'histoire, elle est de comprendre. Quelle différence entre un homme qui sert Dieu par amour ou un homme qui sert Dieu par crainte? C'est sûr que le service d'un homme, quand il est par Dieu, par crainte, c'est pas le même service par Dieu que d'un homme lorsqu'il le fait par amour. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Si un homme croit que c'est la rigueur qui marche, ça veut dire Dieu est rigoureux envers nous. Ça veut dire, il va dire, j'ai fait une avéra, donc je vais recevoir une punition sur ça. Je me suis mal comporté, donc c'est sûr que c'est pour ça que Dieu il est fâché avec moi. C'est pour ça que Dieu il se cache de moi. Ça c'est le côté crainte de Dieu. Ça veut dire, j'ai la crainte, ça veut dire, j'ai fait une mitzvah, je reçois un salaire. J'ai fait une avéra, je vais recevoir une punition. Donc la personne, toute sa vie, lorsqu'elle va recevoir quelque chose qui ne va pas comme elle n'a envie que ça se passe, oh là là, j'ai fait quelque chose qu'il fallait peut-être pas faire. J'ai caché un peu le micro, mais c'est pas grave, on va tout de suite s'arranger. Attendez. Oh là là. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec ce qu'on a fait. Ça veut dire, si un homme croit qu'il y a salaire et punition, alors un homme, quand il va recevoir du bien, il va dire, ça c'est parce que j'ai fait des mitzvot. Et si un homme, il va recevoir des... il va recevoir, que Dieu préserve, des punitions, alors il croit que c'est parce qu'il a fait une avéra. Donc cet homme-là maintenant, toujours, il va toujours regarder sa vie, pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Si j'ai fait une avéra, alors je vais recevoir une punition. Donc toute sa vie se passe dans la crainte. Dans la crainte de la punition, ça veut dire Dieu est un Dieu de crainte. Celui qui sert Hachem par amour, celui qui sert Hachem pour amour, peu importe ce qui lui arrivera, il dira toujours une phrase que tout le monde connaît. Tout ce que Dieu y fait avec moi, c'est pour mon bien. « Akol letova ». Ça veut dire que ça, c'est une approche de la vie, que le mal, en vérité, c'est pas Dieu. Dieu, il n'envoie pas de mal à Dieu. No, Dieu ne veut pas notre mal. Même quand il nous envoie une punition, c'est pas mal. C'est pour mon bien qu'il le fait. Donc la personne, elle apprend à aimer Hachem, même à travers les difficultés qu'elle traverse, elle trouve Akadosh Baruch Hu dans son chemin. Jamais cette personne ne s'écartera du bon chemin, parce que toujours, elle associera Hachem dans toutes les épreuves de sa vie. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, lorsqu'un homme sait que Dieu m'aime, de la même manière que moi j'aime Dieu, comme on vient de le voir dans le passage dans Parashat Kitissa, Dieu nous aime, simplement, il n'y a même pas besoin de chercher à droite, à gauche. Dieu aime le Ham Israël. Alors, il va y avoir une nouvelle Ashkafa, une nouvelle manière de voir la vie. Si je sais que Dieu il m'aime, alors je vais toujours me juger avec indulgence. Pourquoi ? Parce que je dirai toujours,
ce que je traverse, même si je ne suis pas bien comporté, mais je sais que Dieu ne regarde pas le mal que j'ai fait. Dieu, il se souvient toujours des mitzvot que j'ai fait, des bonnes actions que j'ai fait. Ça, ça s'appelle se juger avec indulgence. Ça veut dire, l'homme ne regarde pas les choses, les mauvaises choses qu'un homme il a fait. Ah, j'ai pas étudié aujourd'hui. Ah, j'ai pas prié aujourd'hui. Ah, non. Dieu ne regarde pas le Ham Israël avec le mal. Il ne regarde que le Ham Israël avec le bien. C'est quoi regarder le bien? Dieu ne regarde que le bien du Ham Israël. Ainsi, lorsqu'un homme va se juger en permanence, il ne va pas chercher ce qui ne va pas chez lui. Il va chercher les bonnes choses qu'il a. Il va réveiller son bon côté qu'il a au fond de lui. Et ainsi, cette personne va avoir un œil, un regard positif sur lui-même. Ça veut dire qu'un homme va avoir la confiance en lui-même. Parce qu'il sait que Dieu, il l'aime. Donc si Dieu, il m'aime, alors je sais que Dieu, il se concentre sur les bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. Autant d'avoir la même chose, dans mon rapport avec les gens. Si je sais que j'aime, que Dieu, il m'aime, alors Dieu, il aime aussi mon frère. Il aime aussi mon prochain. Donc de la même manière que je n'ai pas le droit de regarder le mal que moi je fais, je n'ai pas le droit de regarder le mal de mon prochain. Lo yibit aven beYaakov, Dieu ne regarde pas le mal du prochain. Donc c'est sûr que le mal de mon prochain, il ne le regarde pas. Alors pourquoi moi je vais le regarder? Alors la personne va s'habituer à juger les gens avec indulgence, même les gens qui sont loin de la Torah. Même les gens qui ont fait une avéra, je ne peux pas les regarder mal. Donc mon rapport avec les gens vont devenir un rapport positif. Je vais apprendre à aimer les Juifs, à aimer le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu aime son peuple, donc moi je veux aussi aimer son peuple, puisque c'est ça la volonté de Dieu. Ainsi, dans le rapport avec nos enfants, si un homme est rigoureux avec ses enfants vont s'écarter de lui. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a toujours des remontrances à faire sur ses enfants vont s'égarer de lui. Ils vont dire, mais toujours, il regarde jamais le bien que je fais. Quoi, il regarde pas les bonnes choses que j'ai au fond de moi, toujours il regarde que le mal. Alors ses enfants vont s'écarter de son père. Et ces enfants-là, on ne pourra jamais les éduquer, on ne pourra jamais leur donner des bons conseils dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent que mon père, c'est quelqu'un qui est là que pour me faire des remontrances. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Pourquoi il va réveiller le mal que j'ai toujours au fond de lui? Le mal que j'ai au fond de moi, je sais que j'ai du mal. Mais ça ne m'arrange pas, je ne peux rien faire, j'ai besoin de conseils. Alors le travail du père, c'est de prendre son fils et de ne regarder que sur son bien. De se concentrer sur le tov, sur le bon qu'il a. Si le père se concentre sur le bon qu'il a, ou son ami Otodavar, la même chose, ou sa femme, Otodavar, la même relation. Si je me concentre sur le bien de mon prochain, alors je pourrai lui donner confiance en lui-même. Je pourrai l'aider à ce qu'il se prépare à attaquer la vie d'une manière positive. Il pourra attaquer la vie en ayant confiance en lui-même. Pourquoi? Parce que son père lui a donné confiance. Otodavar, sa mère, sa femme, ses enfants, tout ce qui est autour de lui. Tout ça, ça vient parce que Dieu nous aime. Et nous, on aime Dieu. Mais si je crains Hachem, alors j'ai toujours l'impression que Dieu vient envers nous comme quelqu'un qui nous critique en permanence. Celui qui veut réveiller le mal du Ham Israël. Mais c'est faux. C'est pas l'approche de Dieu. L'approche de Dieu est une approche bonne. C'est une approche qui est de bien uniquement. Ça, c'est une deuxième chose. Autant d'avoir un homme qui aime Dieu, de la même manière que Dieu aime nous faire du bien, comme on l'a dit au début du shiur. Donc ça veut dire que la mida de Dieu, c'est de faire du bien. Alors si j'aime Dieu, alors moi aussi je dois faire comme lui il fait. Donc de la même manière que Dieu il fait du bien avec moi, moi aussi je veux faire du bien avec lui, avec du bien celui qui m'entoure. Donc encore une troisième différence. Un homme qui aime Dieu devient bon. Dire un mot de réconfort à quelqu'un, c'est facile pour lui. Parce qu'il est bon, il ne supporte pas voir un juif souffrir. Il ne supporte pas voir un juif qui a du mal dans sa vie. Il veut l'aider à sortir de ce mal. Ou bien avec une bonne parole, ou bien avec un bon conseil, ou bien lui donner de l'argent pour l'aider de sortir de sa situation. Ça devient instinctif. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu, il m'aime. Et de la manière que quand Dieu, il aime quelqu'un, il veut lui faire du bien. De la même manière, moi aussi. Mon rapport avec les gens devient bon. Je veux toujours aider mon prochain. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Un homme devient miséricorde. Par contre, lorsqu'un homme est rigoureux,
Lorsqu'un homme est rigoureux, qu'est-ce qui se passe? Alors quelqu'un vient lui demander la tzedaka, par exemple. Alors dans sa tête, il se dit, bon, tu sais, celui-là, s'il n'a pas d'argent, c'est certainement parce qu'il a dû faire une avéra. Il a dû faire quelque chose de pas bien dans sa vie, donc c'est pour ça qu'il est pauvre. Il a fait une avéra, donc c'est pour ça qu'il a des dettes. C'est pour ça. S'il a fait une avéra, c'est par ça. L'homme est rigoureux. Alors il se dit comme ça au fond de lui, pourquoi je vais l'aider celui-là? Si Dieu lui a fait ça, c'est que il a qu'à se débrouiller, c'est son problème, il a qu'à faire tchouva. Voilà. Il a qu'à faire tchouva. Ça veut dire la personne devient tzadika pitom sur les autres. Non, mais s'il n'est pas bien, c'est qu'il a qu'à faire tchouva. Mais on a dit au départ, même si quelqu'un se comporte mal envers lui, Dieu lui fait le bien. Donc le bien et le mal ne dépendent pas des actions de l'homme. Dieu est bon et fait le bien, sans regarder le mal de l'homme. De la même manière, moi aussi, si je suis rigoureux, je vais commencer, ah tu as fait ça, c'est ma guialacha. Tu as fait ça, donc c'est normal qu'il t'arrive ça. Oh, il va voir. Ça c'est ce qu'on appelle le Dieu rigoureux, le Dieu d'Israël qui est dur. Le Dieu rigoureux. Mais ce n'est pas le Dieu que Orachaim veut nous faire connaître. Ce n'est pas le bon Dieu que le Baal Shem Tov veut nous faire connaître. Ce n'est pas le bon Dieu que Rabbi Nachman Mibreslev veut nous faire connaître, que le Rabbi Lubavitch veut nous faire connaître. Le bon Dieu que le Rachaim veut nous faire connaître, que les Tzadikim veut nous faire connaître, c'est un Dieu qui est bon. Naturellement bon. Il est généreux, il est miséricorde. Alors moi aussi je veux être comme lui. Ainsi il dit Rachaim Akadosh. Et, ainsi, d'après cette explication, on peut comprendre. Lorsqu'un homme, il s'attache à Dieu par amour pour lui, alors il a confiance en Dieu. Il aime Dieu, il ne s'écarte jamais de lui. Et même s'il passe un moment difficile du fait qu'il dit que c'est pour son bien, alors il sait au fond de lui que je traverse ça, mais ça va s'arranger. Dieu, il va m'aider pour sauver ma situation. Ça va s'arranger, Bezrat Hashem, ça va aller mieux. Un homme qui a la crainte de Dieu, alors il se renferme sur lui-même, il dit « Ouais, mais parce que je ne me comporte pas bien, parce que je ne suis pas comme ça. » À la fin, un homme s'écarte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aucun homme au monde ne peut vivre que par la crainte, parce que j'ai peur. J'ai fait ça, donc c'est pour ça que j'ai été puni. Alors l'homme s'écarte de ce Dieu-là. Personne ne veut entendre parler d'un Dieu méchant. Dieu, il est bon. Donc cet homme-là ne se décourage jamais quand il sait que Dieu, il est bon. Toujours un homme, il va se dire, non, il n'y a pas de désespoir, je sais que je vais réparer, je sais que je vais y arriver et Dieu, il va m'aider. Par contre, si on regarde comme Dieu, comme étant un Dieu qui est dur, alors on aura du mal à se faire aider. C'est pour ça, il dit, je vais vous terminer par cette phrase du Rahaim HaKadosh. Parashat Acharemot, dans le Perek, je vais vous trouver où est-ce que c'est. Dans la Parashat Acharemot. Il dit, regardez ce qu'il dit là, dans le chapitre numéro 18, verset numéro 4. On n'a pas beaucoup de se détendre. À la fin, le Rahaim finit comme ça, il dit. La Torah nous parle ici de deux sortes de serviteurs de Dieu. Celui qui le sort, qui le sert par crainte, et celui qui le sert par amour. Il dit au Rahaim HaKadosh, regardez dans le texte, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, celui qui sert amour par crainte n'aura comme salaire que le monde futur. Ça veut dire cet homme-là, du fait qu'il a eu la crainte de Dieu, il n'a fait aucune avéra, Ola Tzadik Gadol, il a fait attention à chaque mitzvah, chaque avéra de ne pas transgresser. Il dit au Rahaim HaKadosh, il ne sera récompensé que dans le monde futur. Mais dans ce Olam Hazé, il risque d'avoir des difficultés. Ça veut dire dans le sens que la rigueur amène à l'homme une difficulté. Par contre, celui qui fait par amour pour Dieu, alors il aura le bien aussi bien dans ce monde-là que dans le monde futur. Ça veut dire que cet homme-là sera récompensé. Dieu lui donnera la bracha, lui donnera le bien, aussi bien dans ce monde-là que dans le monde futur. Ça, c'est la différence. Tout ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui, c'est afin de comprendre celui qui sert Dieu par amour et par crainte, quelle différence qu'il y a entre ces deux hommes.
Voilà, j'espère que si Dieu veut, ce shiur vous aura éclairé. Bezrat Hashem, on se retrouvera pour le prochain shiur sur la paracha de la semaine qui t'étse. Je voulais faire une parenthèse cette semaine parce que je n'ai pas pu terminer la semaine dernière ce qu'on pouvait faire. Regardez bien ce shiur. Il y a des choses merveilleuses, il y a des choses, beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas trop rallonger aujourd'hui. J'ai essayé de dire le maximum que je peux en minimum de temps, afin que vous puissiez tirer de là des conclusions personnelles dans votre vie personnelle, dans nos rapports avec nos enfants, avec notre femme, avec nos amis qui nous entourent, avec Hashem Yitbarach. Comment Dieu est un bon et Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. C'est pour ça, Bezrat Hashem, si un homme pense comme ça, je suis sûr et certain. Car Rosh Hashanah, d'ailleurs Rabbi Nachman le dit, il faut toujours avoir des bonnes pensées, que Dieu va me juger bien. Et Dieu le jugera bien, cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il pense du bien sur lui-même, alors Dieu pensera bien sur cet homme-là. Bezrat Hashem, Shana Tov Vorechet, Ktiva Vechatima Tova. On se retrouve, Bezrat Hashem, pour le prochain shiur.